SAM est l'initiative de quatre réseaux régionaux avec l'appui de ADA. Alors, ce que j'ai retenu de ces 2 jours de conférence et de toute la semaine, mais beaucoup de choses ont été dites et beaucoup reste à faire. Alors, il faudrait que les réseaux, les associations, les institutions de microfinance, il faudrait créer des partenariats. Et des partenariats pour pouvoir soulever, c'est-à-dire pour pouvoir relever les grands défis du monde rural aujourd'hui. Les partenariats public-privé, c'est des choses qui peuvent être négociées à court terme et à moyen terme. Et aussi les synergies possibles entre les réseaux pour que nous parlions plus, nous allions au-delà de la plateforme de la Semaine africaine de la microfinance. Vu les différents échanges et les différents contacts qui ont été pris avec différents partenaires qui étaient à l'APSAM, parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de partenaires qui étaient là, ce qui est une valeur ajoutée pour les institutions de microfinance et pour les réseaux. Aujourd'hui, nous, on pense déjà à faire des montages de projets dans la microfinance digitale. En Afrique subsaharienne, il faut noter que cette avancée on est encore à la traîne. Alors, beaucoup de choses peuvent être faites. Alors, moi, de mon niveau, au niveau de mon réseau, c'est de lancer déjà une petite enquête au niveau du réseau et de voir quels sont les membres qui seront intéressés par cette problématique. Et maintenant, à partir de ça, je pourrais faire un montage de projet.